Yo tout le monde, ici Serston. Nous revoilà pour l'épisode 8 et donc la 21e vidéo. Donc encore désolé pour cette vidéo. Donc je devais la faire hier entre 20h et minuit. Donc j'ai pas pu la faire, bah, déjà parce que j'étais occupé. Et puis en même temps, j'avais pas trop envie de faire parce que j'étais pas trop bien, j'avais la toux, tout ça. Et donc je me suis dit, bah tant mieux, je pense que je vais refaire la reprise demain, mais ça va un peu mieux. Bah je pense que quand je parle, on doit l'entendre avec ma voix. Et encore si, bah, et encore pendant la vidéo, si je tousse, désolé. Donc alors, pour l'épisode 8, donc on s'était arrêté au dragon. Si ma mémoire est bonne, on s'était arrêté au dragon métal. On s'était arrêté à celui-là, au dragon métal, donc le dragon 35. Donc quand je me suis vous montrer comment obtenir un dragon 36, 37, 38, 39, 40. Donc comment obtenir un dragon Vapunk, médiéval, tatou, coquillage et feu frais. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Donc pour Dragon Vapunk, comment l'obtenir? C'est très simple. Il suffit d'avoir le. Attendez, déjà, avant, je vais déjà faire ma récolte. Ce sera déjà plus logique et on verra mieux. Donc voilà. Je pense que j'ai tout fait. Ça fait encore 3 heures aussi? Ouais, 3 heures. Donc voilà, du coup, maintenant, on va faire vite fait notre petite île. Donc voilà. 380, j'ai pas assez. On va remettre de la nourriture. Hop. On va croiser. On va faire le marché de dragons. Donc bien sûr, moi je suis sur Facebook, hein. Donc pour ceux qui connaissent pas mon Facebook, je vais vous mettre en description de ma vidéo. Et en même temps, je vous dis à l'oral. Donc mon Facebook, c'est Tom Nisiorovic. Nisiorovic. Donc c'est Tom Tom espace N I E S C I E R O W I C Z. Donc voilà. Donc dans tous les cas, mon lien sera dans la description. Donc voilà. Ça up. Ça dans 1 minute 13. Ok, il n'y a pas de souci. Mais comment on va les faire maintenant? Trois petits combats à deux. Bon, on va les faire jusqu'à que j'ai plus du tout de spirale pour bah, d'icônes pour mon île. Ok, pas de soucis. Dragon bleu, bah, je crois que c'est le type feu qui craint, ouais. Donc voilà. Dragon glaciaire. Ah, il craint le type feu, je crois, lui. Hop, dragon glaciaire, lance-flamme. C'était ça. Donc voilà. Dragon succubi. Ah, si ma mémoire est bonne, lui, c'est l'herbe. Mais j'ai pas d'herbe. Du coup, on va faire lumière pure. Ah, c'est quand même utile, 9000. Donc voilà, hop. Voilà, ça c'est fait. Donc premier réussi. Ensuite deuxième. Ah lui, c'est Dragon Terre. Bon déjà on va mettre herbe. Ça craint déjà. Ah non, c'est peut-être aucun effet. Ah non, c'est bon. C'est ça. Normalement la critique c'est métal, mais bon. Vu comme j'ai pas mon premier dragon, j'ai pas le dragon métal. Et bah du coup, ça va être herbe. Deuxième dragon rangelé, bah c'est le type feu.
tout le monde connaît le type O, O c'est simple, O et gel. Quand c'est gel, O ou O gel, c'est feu. Donc celui-là, si ma mémoire est bonne, c'est élément pur, ce n'est pas qu'un coup, je crois. Ouais, ça tue d'un coup, donc c'est nickel. Mes troisièmes, parce que j'atteins la Ligue 50. 50. Et ouais les gars, ça fait bientôt. Bientôt Ligue 51. Vous avez vu ça? Un dragon Mika. Alors déjà, c'est un dragon qu'on obtient dans l'île précédente. Donc pour info, pour ceux qui savent pas, la critique, parce qu'il est costaud, la critique c'est herbe. Donc voilà. Et après, bah, si vous tuez votre Pokémon, désolé. Si, non, parce que je jouais à Pokémon tout à l'heure et puis ça m'a perturbé. Et donc, ceux qui savaient pas, bah, il fallait mettre Dragon, il fallait mettre Métal pour le tuer. Donc ensuite dragon Hercule, bah, c'est très simple, si ma mémoire est bonne, c'est du métal. Ah non, c'est pas. Ah non, c'est élément pur, mais je vais mettre encore métal du coup maintenant. Donc voilà. C'est bizarre, je suis en Ligue 50, mais j'ai l'impression que les gars ils sont pas forts. C'est bizarre, hein. Donc voilà. Boulet de canon. Attaque métal. Gros bonk, là ça va pas le faire, il m'a tué. Faut que je le tue là. Fissure géante. En principe. Oh non, pas séisme! Non! À moins que ça le tue, mais ça m'étonnerait. Ouais, c'est ce qui me semblait. Et moi j'ai fait la bêtise. À moins qu'il me tue pas. Et tu penses qu'il m'a tué? J'ai fait la bêtise. Les gars, désolé. Donc du coup on va refaire. Donc c'est reparti pour un tour. Alors, déjà, pour le haut dragon légendaire, c'est simple, c'est une herbe. Après, si ça tue pas, vous mettez élément pur pour ça tue d'un coup. Normalement, ça le tue d'un coup. Oui. Donc voilà. Alors, du coup pour ça c'est pas ça, donc on va mettre élément pur. On va terminer avec ce combat parce que autrement j'aurais pas le temps de faire les 5 dragons, comment vous montrer pour les croisements. Donc là, je mets métal. Ouais, donc là, faut pas que je me gourre là, attention. Pour Super Terre, faut pas que je me gourre. Fissure géante. Normalement, c'est ça. Voilà. Et après, faut que je refasse. Après, faut que je refasse fissure géante. Donc voilà. C'était bien ça. Donc là, du coup, j'ai pas le temps de refaire un combat. Tant pis. On va faire vite fait l'arcade, mon île. 380, c'est parfait. Je gagne une gemme. Donc voilà. Alors maintenant, avant que ce soit la fin de la vidéo, on va vous montrer comment obtenir les 5 prochains dragons. Donc comment obtenir le dragon? Comment obtenir le dragon 36 au 40? Donc comment obtenir le dragon Vapunk, médiéval, tatou, coquillage, feu frais, football, dragon mercure. Non. Et dragon feu frais, désolé. Je suis allé trop vite et Je vais aller trop loin. comment obtenir dragon Vapunk? Déjà, c'est très simple. Il faut tout simplement mettre le dragon métal à gauche et le dragon
flamme à droite. Ensuite, pour le dragon médiéval, c'est pareil, sauf que c'est l'inversement. Il te suffit de mettre le dragon flamme à gauche et dragon métal à droite. Ensuite, pour dragon tatou, c'est très simple déjà. Pour info, il faut déjà avoir le dragon. Il faut déjà avoir. Faut déjà avoir le dragon médiéval et le dragon. Donc, il faut. Pour dragon tatou, il faut déjà avoir dragon médiéval et le dragon. Attends, et le dragon alpin. Alors, déjà, pour avoir dragon tatou, c'est très simple déjà. Il faut que votre dragon médiéval soit niveau 10 et votre dragon alpin niveau 10. Donc voilà, donc déjà, une fois que si vous voulez obtenir un dragon tatou, il suffit de mettre dragon médiéval niveau 10 à gauche et le dragon alpin et le dragon alpin niveau 10 à droite. Donc voilà. Ensuite, comment obtenir un dragon coquillage? C'est très simple. Il suffit tout simplement de mettre le dragon métal à gauche et le dragon marée à droite. Ensuite, pour dragon feu frais. Donc c'est très simple. En gros, c'est celui-là. Donc si vous préférez pour obtenir dragon tatou, il faut que votre dragon médiéval soit niveau 10 et votre dragon alpin soit niveau 10. Et ben là, c'est exactement pareil, sauf que pour dragon feu frais, faut pas qu'il soit niveau 10. Donc si vous préférez, comment obtenir le dragon feu frais? Celui-là, il faut tout simplement avoir le dragon médiéval, mais pas niveau 10, qui va à gauche, et le dragon alpin, mais pas niveau 10, et qui va à droite. Donc voilà. Donc je vous ai montré les 5 dragons suivants. Donc voilà. Donc je répète une dernière fois, dragon Vapunk. C'est dragon métal à gauche, dragon flamme à droite. Ensuite, pour dragon médiéval, c'est exactement pareil, sauf que c'est l'inversement, dragon flamme à gauche et le dragon métal à droite. Pour dragon tatou, et ben c'est simple, il faut déjà avoir dragon médiéval niveau 10 et dragon alpin niveau 10. Une fois fait cela, c'est dragon médiéval niveau 10 à gauche et dragon alpin niveau 10 à droite. Dragon coquillage, c'est dragon. Dragon coquillage, c'est dragon métal à gauche et dragon marée à droite. Et ensuite, pour avoir dragon feu frais, c'est pareil que dragon tatou, sauf qu'il faut pas qu'il soit niveau 10. Donc il faut mettre dragon médiéval à gauche, mais il faut pas qu'il soit niveau 10. Et après, il faut mettre dragon alpin à droite, mais pas niveau 10 pour l'obtenir. Donc voilà, en tout cas, j'espère que l'épisode 8 et la vidéo 21 t'aura plu. N'hésite pas à commenter, partager et bien sûr à t'abonner. Ça fera vraiment plaisir. Je fais ça pour le fun, pour aider les autres et en même temps pour trouver des solutions et m'améliorer sur les jeux. Donc voilà, donc encore désolé pour le retard, j'ai pas pu, j'avais pas le temps et puis j'avais un petit peu la crève. Donc voilà, entendant mercredi prochain épisode 9 vidéo 22 qui sortira entre 20h et minuit et cette vidéo donc l'épisode 8 et la 20 et la 21e vidéo sort entre 19h45 et 20h45. Donc voilà. En tout cas, bon visionnage à tous et bon jeu à tous. Et je vous dis ciao! Ciao tout le monde!